Allez, salut, salut, salut les gars. Voilà, c'est toujours moi de Sam Hospital. Et vous savez toujours, vous êtes sur la chaîne 2, Monsieur le Russe 225. Alors aujourd'hui, je suis là juste pour continuer ce que j'avais déjà commencé. Donc, pour ceux qui viennent juste de voir cette vidéo, essayez de voir un peu parmi mes vidéos. Voilà, nous avons déjà fait l'enregistrement. Donc, nous allons maintenant faire quoi? Continuer. Nous allons faire le remplissage des documents. Et puis, essayer de postuler pour pouvoir atteindre un résultat. Voilà, donc comme je vous le disais, la date limite c'est le 10 décembre pour le premier test. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour cette bourse là, voilà, il y aura trois tests et ça concerne le master et le doctorat. Voilà, donc il y a 14 filières, il y a 14 facultés que vous devez choisir. Donc 14 facultés, parmi les 14 facultés, vous devez choisir votre faculté et essayer de postuler. Donc, si vous voulez voir par exemple la première vidéo, je vais mettre un peu en description, comme ça. Voilà la première vidéo, et comme ça, vous allez voir ou bien regarder juste au-dessus. Voilà, il y a un lien là, vous allez pouvoir l'utiliser pour pouvoir voir d'abord la première vidéo du remplissage avant de venir suivre cette vidéo là. Voilà, donc nous avons déjà fait le remplissage, donc nous avons déjà fait, excusez-moi, nous avons déjà fait. L'enregistrement, donc nous allons continuer. Voilà, donc lorsque nous allons continuer, nous venons sur cette page là, l'interface qui est là, et nous allons venir ici dans les normes. Vous venez sur Login, voilà. Ou bien, si pour ceux qui auront ça, par exemple, vous voyez qu'il y a déjà mon email et il y a mon mot de passe, ça veut dire quoi? C'est parce que j'ai demandé à ce que Google Chrome ou bien Google enregistre mes coordonnées sur cette plateforme là. Voilà, donc je n'ai qu'à venir faire ici loading. Et pour ceux qui viennent juste aussi de finir l'enregistrement, ils peuvent cliquer là, Remember me on this computer, vous comprenez? Donc ça veut dire que vous demandez à l'ordinateur, vous demandez à ce serveur là de vous enregistrer, de se rappeler de vous. Ça veut dire quoi? De vous enregistrer sur ce serveur là. Ainsi, lorsque vous allez revenir à tout moment, vous allez pouvoir juste voir votre email et votre mot de passe, et vous allez cliquer sur loading. Et si ça ne passe pas, là maintenant, vous allez rentrer vos coordonnées. Mais comment ça va passer? Voilà. Donc voici mon nom qui est là, Dovic. Je ne me nomme pas Ludovic, c'est juste un compte fictif que j'ai créé pour vous, pour que vous puissiez voir. Donc je vais mettre ça en français. Comme ça, vous allez voir. N'oubliez pas, vos dossiers doivent être en anglais ou en russe. Voilà. Donc pour pouvoir traduire, c'est très simple. Vous cherchez un ministère, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères de votre pays. Voilà, maintenant pour ceux qui ne veulent pas traduire là-bas, vous pouvez me contacter inbox, voilà, pour que je puisse vous montrer comment faire. Voilà, donc ici on vous dit quoi? Par exemple, je vais traduire en français, ça n'a pas traduit, je vais réessayer. Ok, nous vous invitons à participer à un sondage auprès des participants de l'Olympiade de Porte Ouverte. L'objectif de l'enquête est d'améliorer. Ok, donc ça, si vous voulez vous mener l'enquête, vous menez une enquête, voilà. Si vous voulez aussi, vous ne suivez rien. Donc voici mes coordonnées là. Ça, c'était pour l'enregistrement. J'ai fini de faire cela. Donc je vais partir maintenant faire le remplissage. Ici, on dit pour choisir la filière doctorale, cochez là en cliquant sur le bouton modifier le profil, sélectionner la piste doctorale. Voilà, nous on n'en avait pas besoin. Voilà, c'est comme si nous partions faire un master. Donc nous, on avait déjà choisi l'élément du master. Voilà. Donc, si vous voulez ajouter un élément, vous cliquez là et vous l'ajoutez. Donc, ici, on nous dit quoi? Concours d'entrée. Pour participer à l'étape 1 de l'Olympiade, vous devez passer, je suis en train de lire ce qui est là, vous devez passer un test préliminaire dans chacune des matières choisies. Le test est conçu pour distinguer les participants suffisamment avertis pour participer à l'étape 2. Donc, ça veut dire quoi? D'abord, dans un premier temps, quand vous allez télécharger vos dossiers sur cette plateforme-là, voilà. Ils vont examiner vos dossiers, et ceux qui auront un vrai dossier, c'est-à-dire quand il dit un vrai dossier, ceux qui auront par exemple des dossiers complets, ceux qui n'auront pas d'anomalie, voilà, ils vont les sélectionner pour le deuxième test. C'est comme la bourse du gouvernement russe, voilà. Donc, tout en leur permettant de s'habituer à l'interface de l'examen, il y a 5 essais préliminaires. 5 essais préliminaires disponibles dans chacun des domaines que vous avez choisi. Les participants qui ne parviennent pas à atteindre la note du passage dans un domaine après 5 tentatives ne sont pas autorisés à participer à l'Olympiade de ce domaine. Donc le test préliminaire ne peut être démarré qu'après avoir rempli la lettre de motivation. Bonne chance. Donc
C'est un peu ça. Donc ici, par exemple, comme ça, ici, sujet 1, informatique et sciences de données. Voilà, note d'entrée 9. Tentative, gna gna. Donc il y aura un test. Et le test va comporter sur 5 tentatives. C'est ce qu'on vous a dit là. Voilà. Et dans chaque tentative, il faudrait avoir une note. Et cette note-là va déterminer si vous devez passer pour le second niveau ou pas. Voilà. Donc, ce que vous allez faire, vous allez, par exemple, comme ça, vous pouvez ajouter des entrées. Voilà. Vous allez ajouter des entrées jusqu'à 5 comme ça. Ici, si vous voulez bien, c'est déjà noté ici. Pour participer à l'étape 1 de l'Olympiade, vous devez passer un test préliminaire de chacune des matières choisies. Le test est conçu pour distinguer les participants suffisamment qualifiés. Voilà. Donc, vous pouvez choisir encore une matière. Vous pouvez ajouter là. Imaginons que j'ajoute une matière ici. Ajouter un domaine. Je vais choisir, par exemple, après Big Data, je vais choisir mathématiques et intelligence artificielle. Voilà. Vous devez faire quoi? Je vais faire une maîtrise. Donc, j'ajoute. Comprenez? Donc, quand je vais ajouter, ça apparaît là. Vous ajoutez ce que vous voulez. Voilà, ça apparaît là. Et ici aussi, ça devait apparaître. Donc, je vais réinitialiser un peu. Comme ça. On va continuer. Voilà. Donc, ici. Ok, vous voyez là. Donc, ça apparaît ici. Vous comprenez? Donc, ici, comme ça. Si vous devez faire des tentatives, il y aura entre un score, c'est 9. Et puis ici, entre un score, c'est 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, lorsqu'ils vont faire l'examen de vos dossiers, comme ça. Il y a des éléments qui sont là qui vont déterminer votre score de 3. Ici, pour faire les mathématiques et intelligence artificielle, il faut avoir un score de 3. Mais pour faire les computers et data science, il faut avoir un score de 9. Donc, ici, par exemple, comme ça, please fill in the details on your education. Information about your education will be added to the achievement list on the portfolio page. Donc, ici, comme ça, vous devez maintenant insérer vos documents. Donc, un instant que je mets comme ça en français. Pour ce, donc on va ajouter une formation. Ici, vous cliquez là. Vous ajoutez une formation. Je répète encore. Je vais vous expliquer parce que c'est pas aussi compliqué que ça. Voilà, je vais vous expliquer. Ainsi, vous allez pouvoir faire. Donc, diplôme universitaire, qu'est-ce que vous avez eu pour une personne qui vient faire, par exemple, comme ça, une maîtrise. Donc, vous allez mettre bachelier. Comprenez? Voilà, vous avez eu le bachelor. En temps normal, c'est pas bachelier. Bon, c'est parce que c'est en français que ça met bachelier. Je vais mettre en anglais pour que ça puisse bien. Vous voyez, bachelor. Bachelor, ça veut dire licence. Voilà. Or, quand je mets en français comme ça, ils écrivent bachelier. Et bachelier chez nous, ça veut dire une personne qui a eu le bac. Vous comprenez? Donc, si je laisse en anglais aussi, il y a des éléments que vous n'allez pas comprendre. Donc, je vais laisser en anglais. Voilà, c'est mieux pour ne pas confondre. Donc, bachelor, ici, vous avez eu le bachelor et vous venez pour le master. Voilà, maintenant, ceux, par exemple, comme ça, qui ont eu le master, vous cliquez sur master et vous remplissez parce que vous venez faire un niveau du doctorat. Voilà, donc, ici, par exemple, comme ça, moi, je fais comme si je viens pour le master, donc je mets bachelor. Et ici, le pays, je mets mon pays. Voilà, vous mettez ici, je vais mettre ici Côte d'Ivoire. Et après, bon, on va mettre en même temps pour que vous voyez un peu. Ici, je cherche Côte d'Ivoire. S'il n'y a pas Côte d'Ivoire, alors c'est Ivory Coast. Donc, le I est où? Le I. Voyons voir le C encore. Si ce n'est pas dans I. Donc, voilà, Côte d'Ivoire. Voilà. Et Academic Institution, c'est ici, par exemple, comme ça. Quelle est l'université ou bien l'école où vous avez eu votre diplôme de licence? Par exemple, vous mettez si c'est l'université de Cocody, l'université de Temps, l'université d'Abidjan, vous mettez ça. Et puis, l'année à laquelle vous êtes gradué, l'année à laquelle vous avez eu ce diplôme-là, vous pouvez mettre par exemple, si c'est 2020, vous mettez 2020. Et puis ici, quelle était votre thèse? Vous avez soutenu? Vous avez soutenu sur un projet. Alors, donc, quel est le titre de ce projet-là? Vous mettez ça ici. Voilà. I have been taught in English. Est-ce que vous parlez, par exemple, ça, ou bien est-ce que vous avez été enseigné en anglais? Vous mettez non. Vous comprenez? Vous mettez non. Voilà. Maintenant, si vous avez été enseigné
en français, en anglais aussi, vous mettez oui. Si vous mettez oui, ok. Maintenant, on avance, je vais vous montrer, je n'ai pas encore fini. Il faudrait, je ne vais pas remplir, mais vous allez le faire, voilà. Ici, avez-vous été enseigné en russe? Vous mettez, si c'est oui, vous mettez oui, si c'est non, vous mettez non. Donc ici, all documents in the portfolio must be filled out in English or Russian. Donc les éléments que vous allez mettre, les documents doivent être en anglais, c'est ce que je vous ai déjà dit auparavant, en anglais ou en russe. Document in another language will not be accepted without the translation into English or Russian. Donc les documents que vous allez remplir, si ce n'est pas en anglais ou en russe, ces documents-là seront refusés immédiatement. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est un peu ça. Et lorsque vous finissez maintenant ici, vous mettez votre diplôme que vous avez eu ici. Voilà. Vous mettez le diplôme que vous avez eu ici et maximum doit être de 500 mégabits. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et quand vous finissez, vous mettez save. Vous cliquez ici, save. Voilà. Donc c'est un peu ça. Une fois que vous finissez maintenant, vous allez mettre la priorité maintenant sur les universités. Les universités, vous allez choisir choose from one to six university. Donc ici, vous allez choisir vos universités. Vous mettez les préférences de 1 à 6. Voilà. Donc si vous voulez, si vous étudiez par exemple comme ça, moi je vais étudier un big data, alors je prends d'abord l'université ITMO et je fais ajouter. Ici, je viens encore. Vous allez prendre 6 universités, mais vous devez les classer. Voilà, vous devez les classer selon vos préférences. Je prends l'université de Kazan, voilà, deuxième. Je prends l'université de ici pour un big data science. Je vais prendre l'université nationale de technologie Paris Samara. Ici, l'université Rudden. Ici, c'est Rudden. Je prends ça aussi. Je mets ajouter. Voilà. J'utilise aussi l'université de quoi? L'université Forest. Ici, quatrième et cinquième position, je mets l'université d'économie. Voilà, pour faire la statistique là-bas. L'université d'économie et sixième position, je choisis l'université. Université à Moscou. Voilà, université médicale, non. Sibérie. Ok, Tomsk Polytechnique. Ok, je prends ça. Ok, voici mes universités sont là. Vous avez déjà classé vos universités. Voilà. Et ici, maintenant, vous allez remplir votre portefeuille. Vous comprenez? Et lorsque vous finissez de remplir votre portefeuille, ici, vous allez tout remplir. Lettre de motivation. Vous allez mettre votre lettre de motivation. Vous allez mettre ici, maximum possible score. Vous devez bien écrire votre lettre de motivation parce que la lettre de motivation est notée sur 10. Vous comprenez? C'est par rapport aux notes qui sont là qui vont vous évaluer pour que vous puissiez, par exemple, comme ça, je vous ai montré les éléments qui sont là. Bon, je suis un peu en avant. Je vous ai montré les éléments qui étaient, par exemple, là-bas où il y avait des scores, les 5 tests. Vous comprenez? Les 5 tests, ils vont vous noter par rapport à ce que vous allez faire ici. Donc, la note de motivation, c'est une note de motivation qui est vraiment très aéré. Maintenant, pour ceux qui veulent qu'on les aide, c'est ce que je dis. Pour ceux qui veulent vraiment qu'on les aide à postuler à cette bourse, c'est très important. Si vous voulez vraiment cette bourse-là, contactez-moi une bourse pour que on puisse s'entretenir. Voilà, parce que la lettre de motivation, elle est très importante. J'ai mis deux éléments. Donc, la lettre de motivation pour Computer Science, je dois écrire une lettre de motivation. Vous allez mettre la lettre de motivation ici. Vous venez là. Si vous finissez d'écrire, vous allez sauvegarder en termes de PDF et vous allez aller chercher comme ça ici. Comprenez, voilà, et une fois que vous finissez maintenant, vous allez maintenant venir là, la lettre de motivation pour les mathématiques et intelligence artificielle plutôt. Ça, c'est sur 10 aussi. Maintenant, les diplômes doivent être en anglais, les diplômes qui sont en anglais et notariés. N'oubliez pas ce qui est là. Voilà, n'oubliez pas ce qui est là. Ceux qui veulent par exemple traduire les documents ici en Russie et qui pensent qu'on traduit seulement les dossiers, vous devez traduire les dossiers et notarier. Notarier, vous allez maintenant envoyer vos dossiers là, ces dossiers-là, à l'ambassade de Russie. Si vous voulez les notarier en russe, vous allez envoyer ça à l'ambassade de Russie là-bas. Ils vont vérifier, ils vont contacter vos autorités et ils vont notarier pour vous. Voilà. Et une fois que vous finissez, c'est en russe ou bien en anglais. Voilà. Et quand vous finissez, ça veut dire que votre diplôme maintenant est authentique, est fiable et tout ça. Et là maintenant, vous allez venir ici pour pouvoir mettre ce dossier-là.
Vous comprenez? Voilà. Et lorsque vous mettez ce dossier-là, c'est tout. Et c'est sur quoi? Ils vont évaluer votre dossier-là sur 20. Voilà. Si vous avez un bon dossier, vous pouvez avoir quelque chose de 19 ou bien de 20 même. Voilà. Si ces dossiers-là sont traduits et vous avez un bon niveau aussi, ils vont évaluer sur 20. Voilà. Ici maintenant, Russian Language Province. Donc, si vous comprenez la langue russe aussi, voilà. Vous mettez votre document là de langue russe pour d'abord pour computer data science. Après, vous finissez, vous mettez aussi pour mathématiques et intelligence artificielle. Vous finissez, vous allez venir maintenant. Si vous avez un certificat aussi en anglais, voilà, vous allez leur dire ici que vous avez un certificat en anglais. Donc, ici, est-ce que vous avez un certificat en anglais? Vous allez mettre par exemple oui. Vous voyez un peu. Et quel est votre niveau de. Vous avez quoi? Beginner ou bien immédiat et tout ça, tout ça, tout ça. Donc si mais par exemple, on va être un peu humble en mettant quoi? Élémentaire, voilà. Et ici le certificat. Est-ce que vous avez un certificat? Oui ou bien non. Si vous n'en avez pas, c'est pas un problème. Vous allez mettez tout ça par ça compte. Vous allez mettre par exemple non. Vous comprenez? Au moins on sait que vous êtes un peu en avant par rapport aux autres. Et en fonction de cela, vous serez évalué. Vous comprenez? Donc, regardez les types de points qui sont ici. C'est par rapport à ces points-là. On vous montre en même temps comment ça se passe. C'est par rapport à ces points-là que vous serez évalué. Donc, quand vous allez remplir tout ce qui est là, quand vous allez remplir tout ce qui est là, et vous allez venir ici vous-même voir est-ce que vous avez, comment on appelle ça, la possibilité d'être admis à cette bourse. Voilà. Ça, c'est juste des remarques que vous allez faire. Et une fois que vous finissez maintenant, ils vont activer ce qui est là. Si vous remplissez bien tous les éléments, ils vont activer ce qui est là. Voilà, on vient de mettre ici. You can only submit the portfolio after filling the motivation letter section, upload the education document and passing entrance test. Attention, once submit the portfolio can be edit again. Vous comprenez? Donc ici, une fois que vous remplissez tous ces éléments-là, vous ne pouvez plus les remplir lorsque vous allez faire quoi? Vous allez submit. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. N'oubliez pas, c'est très important. Et parce que lorsque vous allez finir ça, par exemple comme ça, n'oubliez pas, vous êtes noté par exemple ici. Je vais revenir un peu là pour que vous puissiez au moins voir. Un instant que ça me renvoie, il savait, ça me renvoie ici encore. Voilà ici. Lorsque le nombre de scores va dépendre, voilà. Tous les scores qui sont là-bas, ils vont diviser par le nombre de coefficients pour que vous puissiez savoir. Vous avez vu, ils ont mis 10, 20 et tout ça. Ce sont des coefficients aussi. Voilà, coefficient 1, coefficient 2, coefficient 3. Donc par rapport à ça, ils vont diviser. Et si vous avez une note par exemple de 7 ici, 7 sur 9 ou bien 6 sur 9 et tout ça va dépendre de ce que vous allez avoir là-bas. Et ici aussi, c'est la même chose. Voilà, donc si vraiment vous êtes intéressé pour cette bourse, ne vous fatiguez pas. Essayez de me contacter inbox parce qu'il y a mes coordonnées là en inbox. Écrivez-moi sur WhatsApp. Voilà. Et on va essayer de le faire ensemble parce que c'est très très important. Voilà, donc les gars, j'espère que je vous ai aidé. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, essayez de me donner un pouce bleu, ce n'est pas mauvais. Et essayez d'écrire au moins un commentaire, merci, ce n'est pas aussi mauvais. Et c'était moi, Bissam Hospital. Vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225 et à plus.